Alors, deux premiers petits exemples exercices de manipulation de ce symbole somme. Expliciter et calculer ces deux sommes-là. Alors, commençons par celle-ci. Donc, nous avons somme de termes 4k, k variant de moins 5 à moins 2. Donc, k variant de moins 5 à moins 2, on va commencer par k égale moins 5. Donc, on a 4 fois moins 5 plus, c'est une somme, hein. Le terme suivant, le terme suivant, donc on augmente de 1, de moins 5 jusqu'à moins 2. Donc ensuite, le terme suivant, c'est avec k est égal à moins 4. Donc ça fait 4 fois moins 4, plus 4 fois moins 3, plus, dernier terme, 4 fois moins 2, tout simplement. Voilà, donc on a explicité la somme. On va aller jusqu'au bout de l'exercice, on ne va pas le laisser en plan. Ça fait 4 fois, on factorise 4, ça fait 4 fois moins 5, moins 4, moins 3, moins 2. Vous calculerez ceci, je vous donne le résultat, vous devez trouver moins 56. Voilà, un petit exemple de manipulation du symbole somme. Un deuxième petit exemple, toujours le même consigne, expliciter, c'est essayer de calculer cette somme. Donc, somme des moins 1 puissance k plus 1, k variant de 1 jusqu'à 7. Alors, on y va. Commençons par k égale 1. Lorsque k égale 1, eh ben, ici, le premier terme, c'est moins 1 puissance 1 plus 1, ça fait 2. On y va directement, ça fait moins 1 puissance 2, moins 1 au carré. Et ainsi de suite, k prend la valeur 2 maintenant. 2 plus 1, ça fait 3. Donc, ça fait moins 1 au cube plus moins 1 puissance 4 plus moins 1 puissance 5 plus moins 1 puissance 6. Attention, quel est le dernier terme? On va jusqu'à k égale 7, c'est-à-dire moins 1 puissance 8. Ça fait plus moins 1 puissance 7 plus, pour terminer, moins 1 puissance 8. Alors, là voici cette somme qu'on a développé, qu'on a explicité. Combien cela fait? C'est assez simple, on ne va pas passer une heure là-dessus. Vous avez moins 1 qui est à la puissance paire ou à la puissance impaire. Moins 1 puissance paire, ça donne 1. Moins 1 puissance impaire, ça donne. Pardon, j'ai dû dire moins 1 puissance paire, ça donne 1. Moins 1 puissance impaire, ça donne moins 1. Donc ceci et cela, ça fait 0. 0. 0. Il nous reste moins 1 puissance 8. Ça fait donc 1. Voilà deux exemples. À partir du symbole somme, on explicite, on développe la somme et on calcule. On va voir maintenant deux petits exemples exercices dans lesquels c'est le contraire. On va vous donner une somme, on va essayer de retrouver l'écriture avec le symbole sigma.